Vous vous demandez comment je me suis retrouvé dans cette situation? Je suis un putain de tueur à gages! Je sais, je fais le sale boulot. Mais ça ne me dérange jamais de me salir les mains, si on y met le prix. Il fallait que je fasse profil bas après tout ce qui s'était passé à Londres. Donc, j'ai dégainé un faux passeport pour prendre le premier vol pour n'importe où. Et ce n'importe où, c'était Malte. Il y a énormément de gens ici qui veulent en tuer d'autres, et je peux pas tout gérer. Je peux peut-être t'aider, file-moi des infos. C'était notre laboratoire. On testait de nouvelles façons de tuer et on étudiait tous les aspects qui permettaient d'y arriver sans laisser la moindre trace. Comment tu m'as retrouvé, Ray? J'ai entendu dire que les affaires tournaient bien dans le coin pour toi. Rien de ce qu'on fait ici va te faire de l'ombre, je te rassure. Me faire de l'ombre, tu plaisantes? Pour réussir, faut savoir souffrir, mec. Il semblerait qu'un obscur chef d'entreprise ait décidé de mettre un contrat sur la tête de mon fils, Dante. Je vous demande d'assurer la protection de mon fils, quelles qu'en soient les conséquences. Est-ce que c'est clair? Un tas de tueurs à gages qui vont pas tarder à se ramener et qui vont tous vous buter! Je te conseille de mettre tes crampons, petit joueur. Ça va être un putain de match de classe mondiale. De garder en vie. Ta maman, elle vient de m'engager pour te protéger. Je suis pas en sécurité avec toi. T'es vraiment un tueur et un psycho en tout genre. Tu sembles à peine un flec qui a fondu de la gueule. Le travail d'un tueur à gage n'est jamais terminé. Tu l'as tué? Là, je l'ai tué. Profession tueur 2. Super, Mike. Et toi, ce week-end? J'ai connu mieux, j'avoue.